cold like the winter. Lobster steak for dinner. Born sinner, born to go get it. Just me and my brother and a few guns with us. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs, aka Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans cette émission un peu particulière. C'est la partie 3 de ma collection que je fais une fois par an, une fois tous les deux ans, pour montrer un peu l'évolution de ma collection. Donc je suis désolé, j'avais dit qu'il y aurait un Sneaks of the Week, mais j'ai préféré vous faire cette vidéo maintenant parce que vous êtes nombreux à me le demander. Bah désolé parce qu'il y a de l'écho, forcément j'ai vidé le salon là, hein, tu vois. C'est tout vide. J'ai fait de la place pour pouvoir amener toutes les paires de pompes. Et je pense, je sais même pas si tout va rentrer dans le salon. J'espère en tout cas. Cette vidéo là, je vous invite s'il vous plaît. Enfin, je vais pas faire le mendiant des pouces en l'air, des likes, tu vois. Mais c'est un gros travail de sortir toutes ces paires. Rien que pour ça, si vous voulez, envoyez la ce fort, le pouce en l'air et le très bienvenu. Puis voilà, vous me direz à la fin ce que vous pensez de ma collection. Comme d'habitude, hein, c'est ma collection. Voilà, il y a des paires hype, bien sûr, il y a des grosses paires, bien sûr. Mais c'est pas mon but, moi, ma collection, c'est juste mon kiff personnel et c'est sans prétention. Je n'ai pas la prétention d'être le plus grand collectionneur du monde, loin de là. C'est très important à souligner, je veux pas déclencher des guerres inutiles et stupides, ça ne m'intéresse absolument pas. Et aussi je voudrais faire un spécial shout-out à mon gars Drist qui va ouvrir le Sneakers Museum à Marseille. Ça se passe cette semaine, c'est le 20, voilà, à Marseille. Le 20 c'est quand? C'est jeudi je crois. À Sneakers Museum, il va ouvrir un musée autour de la sneakers parce que c'est un vrai passionné. Et c'est le frérot, donc je lui envoie là ce fort, voilà. Et au passage, shout-out Marseille, vous êtes au maximum, voilà. Et tout de suite, je peux pas faire ça tout seul, donc il y a ma fidèle assistante Alia qui va m'aider aussi pour installer tout ça, voilà. Ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps connaissent Alia. Et voilà, elle va m'aider. Et merci beaucoup parce que tout seul, c'est pas possible, je vous le dis direct. Ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter de parler et puis on va y aller, quoi. Hein. Et désolé pour le Sneaks of the Week que je ne fais pas dimanche puisque je fais cette vidéo. Et je vous donne aussi, déjà je vous le dis à l'avance, rendez-vous mercredi soir pour un OMG Sneakers. C'est le numéro 118. Et voilà, on va avoir une paire très sympathique ensemble. Si vous me suivez sur Instagram, vous la connaissez déjà. Oh mec, the bang bang. Ouhou, j'en fais trop, hein. Bon bah les c***. Bon, allez. Back. Cold like the winter. Lobster and steak for dinner. Born sinner, born to go get it. Just me and my brother and a few guns with us. A couple Glock. Donc voilà, on a sorti tout le bordel et ce que je craignais arrive. C'est-à-dire que il n'y a pas la place pour sortir toutes les paires. Voilà. Donc ce que je vais faire, je peux pas tout vous sortir, c'est impossible. Déjà je me rappelle maintenant l'année dernière, on avait déjà rempli tout le salon et on était déjà en galère. Et c'était plus qu'année dernière. Et depuis il y a eu énormément de paires. Donc c'est impossible de tout sortir. Je pense que même dans le bureau à côté, ce serait impossible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les plus grosses paires de ma collection. Ou pas forcément les plus grosses, mais celles que. Qui me tiennent le plus à cœur, celles que je kiffe le plus, voilà, même si elles sont pas forcément hype, ça va me permettre de vous raconter un peu des histoires par rapport à ça. Désolé pour ça, mais c'est un bordel en fait incommensurable, je sais pas si vous vous rendez compte, mais... Parce que là, vous voyez tout empilé, mais imaginez que vous devez mettre tout ça à plat, par terre, à plat, et une fois à plat, sortir toutes les paires de toutes les boîtes pour les mettre dessus, pour tout vous montrer. Donc en fait, c'est devenu impossible et j'avais peur de ça avant de faire cette vidéo et c'est ce qui se passe. Donc ce que je vais faire, et je vais vous montrer les plus grosses paires, voilà. Et les paires que je kiffe, qui me tiennent à cœur. Ok la mif, allez, à tout à l'heure, j'espère que vous avez kiffé. Démerdons-nous. Oh mec. je vais vous montrer les paires. Hein, on a changé de caméra, on a pris la petite Osmo avec le Giro iPhone, tout ça patati. J'espère que vous m'entendez bien parce que à chaque fois on a des problèmes de son quand on fait cette émission. Et il y en a marre, hein. J'espère que vous m'entendez bien. Vous m'entendez bien. On va regarder les paires, hein. Suis-moi comme tu peux. Voilà. Hop. J'ai déjà sorti quelques paires pour faire des photos de la miniature, donc forcément il y a des paires qui sont cool, qui sont déjà sorties, que j'aime beaucoup. Hein, la Wave Runner, la Adidas Wave Runner, la V1, la 700. Elle est cool, je l'aime beaucoup. Bien sûr, mes amis. Hein, la plus belle paire de 2018, la Sean Waterspoon, hein, élue la paire de l'année aux yeux du plus grand nombre. Très très cool, très très belle. Regarde-moi ça. Opium Paris, voilà la spécial box. C'est la famille Opium Paris. Hein. Donc ça, c'est la paire qui est sortie. C'est la paire La Mif, voilà.
720, là, tiens, viens voir, full dedans. Donc voilà, il y a un t-shirt opium, la carte, bande de peinture, parce que c'est, voilà, c'est l'univers du graphe, hein, etc. Voilà, des petits porte-clés. Et ça, très important. Très important. Voilà, la boîte est signée par mes amis Mounir et Yacine. Big shout out à Opium. Et donc, vous avez la paire, hein, je pense que vous la connaissez. C'est un vrai kiff. Une vraie réussite, cette collaboration. Donc voilà, le coq sportif et Opium Paris, la MIF, modèle R1000. Et bien sûr, bah, vous avez la le coq sportif, Opium Friends and Family limitée. Celle-là, elle est numérotée, limitée à 500 paires monde, hein, voilà, si je me rappelle bien. Et celle-là, c'est une Friends and Family, donc elle n'est pas sortie dans le commerce. C'est la même collaboration, 50 paires monde. Et voilà, bah, j'ai la chance d'avoir eu cette paire, parce que Opium, c'est la famille, quoi, tout simplement, frère. C'est la famille. Yes, sir. En parlant de famille. Donc ça, c'est la boîte de la Friends and Family. Et en parlant de famille, ça aussi, Special Box Friends and Family. The City of 100 Spires. Donc ça, c'est la collab Kangaroos Food Shop. La boîte, malheureusement, elle a été un peu abîmée pendant le transport. Mais ça, vous avez vu, j'avais fait le... On m'avait offert cette boîte quand j'étais en République Tchèque. Et j'avais fait le unboxing chez Kovku et Johanna, qui travaillent pour Food Shop et que je remercie énormément et que je salue. Donc c'est encore une fois, voilà, Food Shop, c'est vraiment la MIF, tu vois, c'est des aventures. Voilà, il se passe des trucs, quoi. On vit des trucs. C'est ça qui est cool. C'est peut-être pas des paires hype, mais pour moi, c'est des paires qui valent tout l'or du monde. Tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà, bon, il y a plein de trucs à vous montrer, mais moi, je vais vous montrer la paire direct. Donc voilà, Food Shop Kangaroos. Limité à 502 exemplaires numérotés. Uncrafted. Fait en Allemagne, hein. Donc c'est des vraies paires de collection, tu vois. Celle-ci, en plus, il y a mes initiales, voilà, sur la languette. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est ma paire. C'est très, très lourd. Bien sûr, on aime ça. Bien sûr, on aime les Off-White, on aime les Zoomfly, on aime les collabs. Ah, bien sûr qu'on aime ça. On est collectionneurs, on charge des trucs un peu rares, tu vois. Mais ce genre de paire, c'est très cool aussi. C'est vraiment mon kiff et c'est l'essence même, entre guillemets, c'est l'essence même du lifestyle, de notre délire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ces magasins-là, tu vois, Opium, Food Shop, FU Store, la famille, voilà. Voilà, collab A Few Store aussi, c'est la famille, c'est pareil, on a travaillé ensemble. Celle-là, j'ai pas fait d'émission, j'attends de faire des photos sur Instagram. Je l'avais pas montré encore celle-là, mais voilà, c'est la ASICS Gel Light 3 Orange Koi, Beams, A Few Store et ASICS. Donc c'est Japon, Allemagne, et voilà, j'attends de faire un shoot Instagram pour vous montrer cette paire. Je vous la montre là maintenant, vous la voyez bien sûr. La box, elle est là-bas, là, c'est la boîte orange. Tac. C'est celle-là, voilà, tu vois, A Few, Beams, ASICS, c'est des paires comme ça, voilà, qui sont des vrais, l'essence même, c'est ce que je disais, c'est l'essence même du cœur du truc, tu vois, les collabs avec les shops qui font vivre la culture, parce qu'ils sont dans le délire, tu vois, ils sont dans le truc, et ça, c'est super important. Maintenant, si tu veux aller dans le plus haut, voilà, Atmos, ça aussi, c'est un shop japonais, Atmos, hein, Hirofumi Kojima. Qu'on respecte beaucoup, qu'on adore. Ça fait partie, celle du pack avec le Jumpman en transparence sous la paire. Elle était avec une Air Jordan 3, donc il y avait deux paires dans le pack. Et bon, c'est vraiment celle-là qui est exceptionnelle. Air Max One Elephant Print Collab Atmos. Donc ça, c'est plus high level, mais c'est comme, à la base, c'est comme les Lecoq, les ASICS avec Few, Opium. C'est des collabs avec des shops, tu vois ce que je veux dire? Une paire que je voulais depuis longtemps, très longtemps. Ma paire préférée, c'est celle que vous avez dans le logo de Sneaks of the Week. La Air Jordan 6 de Harm Baker. Voilà. Et ça, c'est mon poteau Tonio. C'est Sneaker Heat. Voilà, je vous invite à aller le follow sur Instagram. C'est une entreprise de revente, Sneaker Heat. Très sérieux, ce sera des vrais paires, des vrais délires. C'est un professionnel et c'est un passionné avant tout. Donc Tonio, big shout out, merci encore pour cette paire. Merci encore, mon frérot. T'as assuré. Et puis, il y a le site Sneaker Heat aussi. Pardon, excusez-moi. Et voilà, c'est pas que Instagram. C'est un vrai bail. C'est un vrai truc, Sneaker Heat. Une des dernières paires du moment. Bah, j'ai fait un UG Sneakers il y a pas longtemps, donc vous avez dû le voir. La Air Jordan 1, en collaboration avec notre cher ami Travis Scott, hein, superstar. Voilà, donc ça, c'est... Voilà. Collaboration Jordan avec un artiste. Voilà. La Cause. Air Jordan 4 Cause. Voilà, ça, je vous montre ces paires-là, mais c'est... Wouh, tu vois, c'est wouh. Ensuite...
Là, Yeezy, ça c'est une des Yeezy 350 V2, attention, pas V1, V2, une des plus rares, c'est la Red. Donc voilà, je l'aime beaucoup, je ne l'ai pas encore portée, mais ça ne serait tardé. Pour l'instant, elle y est. Elle est dans son bocal, voilà, je la regarde, je la kiffe. Moi, je m'en fous, moi, rock, pas rock. Je rock quand j'ai envie, quand j'ai la paire, quand j'ai la tenue, je me dis, tiens, je vais mettre ça. J'ai pas d'obligation, hein. Voilà, je m'en fous complètement de ça. Ensuite, ah, celle-là est cool aussi. 700 statiques. 700 statiques. Je vais en parler mercredi soir dans OMG Sneakers, bah, pour la Tefra qui est là, mais que je ne vous montre pas parce que je vous la montre mercredi soir. C'est l'OMG Sneakers 118 et je vais vous parler, je vais faire un point sur les 700, sur toutes les 700. Voilà, on va parler de la 700, de la cote et tout ça. Donc ce sera intéressant et je vais parler de la 700 statique. Donc je vous invite à aller regarder mercredi soir. C'est la 700 la plus limitée. Voilà, tout simplement. Et j'adore, moi, le côté monochrome, comme ça, c'est un vrai kiff. Ensuite, qu'est-ce que j'aime beaucoup? Bah, j'ai plein de trucs que j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, alors, ça, on pourrait en parler longtemps, parce que ça, c'est la Hyper Adapt 1.0, la première qu'ils ont fait. Maintenant, vous avez la BB pour le basketball qui est un peu améliorée. Et voilà. Alors, celle-là, c'est un grand kiff, en même temps, une grande déception pour moi. Un grand kiff, parce que je la trouve magnifique. Esthétiquement, elle est ultra belle. Après, la déception. Bon, il n'y a plus de batterie, je ne peux pas vous montrer le truc. Mais c'est le confort. Voilà. Pour une paire qui coûte 700 euros à la base, c'est la paire que j'ai achetée la plus chère dans ma collection. C'est pas la paire là qui coûte la plus chère, mais c'est la paire que j'ai achetée 700 euros. Et je la trouve magnifique. Mais le truc, c'est que derrière, là, ce truc-là, c'est trop dur. C'est pour ça qu'ils ont arrêté d'en faire, je pense. Derrière, ici, là, c'est trop dur. Et au bout de 2 heures, t'as le talon en sang. Et je trouve ça très dommage. Voilà, je trouve ça très dommage. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est dommage que je ne peux pas vous montrer le côté automatique. C'est auto-laces. Voilà, elle se ferme toute seule. Il y a des petites lumières bleues pour la batterie, etc. Un vrai kiff, cette paire. Voilà, off-white. J'adore off-white. Ben là, vous avez que des off-white. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paires. Il y a 7 paires de off-white. Alors, j'ai dans ces 7 paires-là les préférées. Je ne vais pas toutes vous les sortir. Mais il y en a d'ailleurs que vous n'avez pas vu, donc je vais vous les sortir parce que j'ai pas fait, il me semble pas que j'ai fait, ah si j'ai fait des OMG Sneakers dessus. La Zoomfly, je vous l'ai déjà montré. Ah, la Hyper Dunk, voilà, que j'adore. Presented by, big up, big shout out la famille. Presented by aussi. Vous voyez ce parcours qui m'a amené à rencontrer plein de gens dans la basket. C'est vraiment, ça c'est la boîte de la Zoomfly. Dans la mesure comme ça, je rencontre plein de gens et c'est un vrai kiff. On voyage et... On compte déjà la 97 que vous connaissez. Rock. Ah. La Presto de Ten. Une des paires qui coûte le plus cher du pack. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Presto White. Bang bang. Attention avec cette paire, il y a beaucoup de fakes qui traînent. Je vous le dis. Celle-là, je l'ai portée une fois. Elle est dégueulasse. Il faut vraiment que je la lave. Voilà, elle est salie partout. Hein. C'est la Blazer. Off-White Vanilla. Et celle-là, la 90, la Nike Air Max 90 Off-White. Bon, la boîte, elle est plus chère pour mon voyage, malheureusement. Voilà pour les Off-White. Hein. Bah, des Yeezy, il y en a plein. 350, il y en a plein. 350 que je kiffe. Il y a la Pirate que j'aime bien. Là, c'est justement celle-là. On m'a proposé la 350 Black qui est sortie il n'y a pas longtemps, mais je ne l'ai pas voulu parce que j'avais déjà celle-ci. La Black Pirate V2, c'est une tuerie. Celle-là, c'est une tuerie, donc c'est pour ça que j'ai pas pris une autre. Parce que bon, les 350, voilà, il y en a beaucoup qui sortent maintenant, et c'est pas la peine de... Voilà, je vais pas prendre des 350 pour prendre des 350, quoi, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme connerie cool? La Zebra, je l'aime beaucoup. Donc la Zebra, bah, vous connaissez tous l'histoire de la Zebra, hein. Qui était la paire la plus limitée à la base, et puis il y a eu des restocks un peu dirty, quoi. Même beaucoup d'orties qui ont fait du mal à beaucoup de gens. Et voilà, et pour information, celle-là, bah, tu vois, je ne l'ai pas encore portée, mais celle-là, je sais que je vais la porter parce que je la kiffe, elle est magnifique. Mais pour information, celle-là, je l'avais eue au premier drop, plus limité, tirage au sort. Je crois qu'il y a Alia qui était là. J'étais en train de passer l'aspirateur et je lui ai dit, tiens, mon téléphone, dis-moi si ça passe. Elle me dit, oh, c'est bon, c'est validé. Je dis, quoi? Et puis je regarde et effectivement, c'était validé, donc... Voilà, ça c'était ouf. J'aurais pu la revendre, je crois que c'était 1000 balles ou 1500 balles dès le départ. Et je ne l'ai pas revendu parce que je kiffe tout simplement. Donc voilà. Donc la Zebra,
un vrai kiff que je porterai quand j'aurai envie. Voilà, pour les Yeezy, bon, il y en a plein d'autres, mais bon, vous les connaissez, vous avez vu les MG sneakers. Il y a des trucs tout simples que j'aime beaucoup. Comme ça, par exemple, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Voilà, un peu sale maintenant, malheureusement. Reebok Ventilator Supreme. Donc, c'était une collaboration avec le magasin Bait aux États-Unis. Les Los Angeles, l'équipe de hockey sur glace et Reebok. Et ça, c'est des petites paires, tu vois. Presque inconnues au bataillon, mais j'adore. Et si tu regardes bien cette paire, voilà. Regarde ce qui est écrit là. Tu vois ? Kevlar. Et en fait, toute cette partie-là, c'est du Kevlar. Paire en Kevlar, c'est pour les gilets pare-balles, hein, les Kevlar pour ceux qui savent pas. Donc voilà, des matières de ouf quand même. Je suis sûr que ça en recette, ça coûte que dalle. Bah, bah j'adore. Il y a des New Balance aussi, je vous ai pas montré. Voilà ! New Balance 580. Voilà, celle-là, je l'ai reçue. Bah, je l'ai commandée sur StockX, vous voyez ? Il y a encore le truc dedans. Et en fait, je l'ai reçu. C'était une paire que je voulais depuis longtemps, que j'avais grave kiffé quand j'avais sorti à l'époque, il y a quelques années, quand j'avais fait un Sneaks of the Week, j'en avais parlé. Elle était magnifique. En collaboration avec le shop de, je crois, c'est Miami, Shoe Gallery, voilà. Et la collab, bah, c'est Shoe Gallery, New Balance. Il avait sorti pour il y a une course qui s'appelle le Tour de Miami, une course à vélo. Et il l'avait sorti pour ça. Et la paire s'appelle le Tour de Miami. Et voilà, c'est genre de New Balance. Magnifique. Ça, j'adore. Pas besoin d'aller chercher des... On aime la hype, hein, y a pas de problème. Mais il y a d'autres choses aussi. Celle-là aussi. Là, je l'ai saigné. Sneaker Politics. Sneaker Politics New Balance. Voilà. Hein, 999. Regarde, c'est ce cuir marron, ce daim bleu. Ces motifs bandana. Oh my god. Voilà, ça c'est une tuerie. Le P de Sneaker Politics à l'intérieur. Le bout des lacets qui est bicolore. Tu vois. Voilà quoi, ça c'est des paires. C'est l'Air Max One Tokyo, bon vous l'avez vu il y a pas longtemps. Je vais quand même ressortir la... L'Air Max One Suzanne. C'est pour moi la plus belle Air Max One de cette année, pour l'instant. Voilà. Bon celle-là, ça fait pas longtemps que je l'ai. Hein. Look at this! Regarde, je sors doucement pour que tu vois. Oh mec, on va commencer par un Spiridon. Spiridon non plus que j'ai pas eu l'occasion de porter encore. Voilà. Ah ça c'est une collaboration Nike avec l'artiste Para. Voilà. C'est un vrai kiff. Hein. Para c'est pas n'importe qui. En plus il est hollandais comme moi. Ça fait plaisir. Voilà. Je soutiens à fond. Hein. Tout ce qui est Pata, Para. Moi ça me parle à mort les gars. C'est chez moi. Et la Air Max One. Qui est magnifique. J'adore cette paire. Voilà. Que dire de plus, man? Bien sûr, mais bien sûr. La première Nike Air Fear of God 1, la Black. Big shout out à Cop Room. Et on avait fait un concours pour vous faire gagner cette paire d'ailleurs. Ça, voilà. Ça, c'est du très lourd. Voilà. Nike Air Fear of God 1. La première, tu vois, quand il y a un nouveau truc qui sort dans, chez une marque, c'est bien d'avoir le premier modèle, le premier truc, tu vois. Ce sera celui-là, le vrai OG. Air Jordan 11. Moi, je suis pas très Air Jordan 11, mais voilà, ça, c'est la Concorde, c'est la classique, vous l'avez vu. Ah oui, celle-là. Max One, animal. Hirofumi Kojima. Ça, c'est une tuerie sanguinaire. Hein. Ça, c'est une tuerie. Cette paire-là, c'est une tuerie. Ça. C'est juste magnifique. Hein? On aime ou on n'aime pas? Ouais, la Panda. J'ai pas beaucoup de paires SB. Et c'est ma seule Dunklo d'ailleurs. J'ai des paires SB là-bas, ID à l'ancienne. Mais voilà. Celle-là, je l'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, dédicace à mon gars Jules SB, grand collectionneur parisien de Nike SB. Et aussi Eli Costa, les amis. Voilà, je les aime beaucoup ces gens-là. Donc, big shout out, les gars. Ah bah bon, moi, je suis pas comme eux. Ils ont des paires. Laisse tomber, mon frère. Moi, voilà, c'est la seule que j'ai. Je suis pas trop SB à la base. Celle-là, je l'ai trouvée très belle. Voilà, c'est une pigeon Jeff Staple. On respecte énormément. Ce qu'il y a en transparence sous la semelle translucide ici, c'est à l'époque quand ils avaient sorti la première pigeon à New York, il y a eu des émeutes et ils en avaient parlé dans le journal de New York. Et ça, c'est un petit patchwork du journal de New York de la première édition de la Jeff Staple. Donc cette paire-là, je la trouve vraiment cool. Elle a son petit truc. Elle est pas voilà. Ils ont réfléchi. Ils ont fait un truc. Jeff Staple derrière tout ça, bien entendu. Ok. Celle-là, je les adore. Ça, c'est les undercovers. Donc, j'ai la,
J'ai la Nike Placid, là, la jaune. Mais celle-là que je préfère, c'est la Green Mist. La Green Mist, elle est... voilà. Alors celle-là, c'est la particularité de cette paire-là. Donc ces paires-là, les Undercover, on les avait vues pour la première fois sur le défilé de Undercover à la Fashion Week de Paris. Et en fait, si vous voulez, il y a 4 paires qui sont sorties dans un premier pack des Undercover. Et en fait, la Green Mist, c'est la seule qui a pas été modifiée après le défilé. Toutes les autres couleurs, elles ont été modifiées, tu vois. Celle-là, c'est la seule qui est restée comme ça. Donc c'est pour moi celle qui est vraiment... Bon, c'est la plus jolie du pack, à mon goût, et je pense au goût de beaucoup. Et puis voilà, c'est celle qui est vraiment la mieux. Air Jordan. Donc moi, mes préférés, c'est les 6. Donc 6, je vais pas toutes vous les montrer, mais voilà, tout ça, c'est les 6. Ensuite, j'adore les 3. Tout ça, c'est des 3. Tout ça, c'est des 4. Il y a un petit peu de 5. Il y a quelques 7. J'ai 3 paires de Air Jordan 1. Moi, je suis pas très... Air Jordan 1 à la base, tu vois, mais bon, il y a des paires que j'ai trouvées sympas quand même, et puis au fur et à mesure, je commence à aimer cette paire. Je cache pas que je commence à aimer cette paire. Bon, ceux qui sont vraiment dans la basket, les goûts, ça change tout le temps, ça évolue, tu vois. Il y en a qui restent bloqués. Air Max 1, Air Jordan 1, Air Jordan 4. Je bouge pas, je collectionne que ça. Ok, il y a pas de problème. Moi, je suis pas dans cet esprit-là, tu vois, je suis ouvert. J'aime découvrir toutes les nouvelles paires, les nouveaux designs et tout ça. Il y a toujours plein de trucs à dire, plein de trucs à faire. Et c'est ça, le vrai kiff pour moi, c'est la nouveauté en fait. Même si j'ai mes préférés, hein, j'ai mes paires préférées, Air Jordan 6, Air Max 1, Air Jordan 3, les Yeezy 350 V2, je les aime beaucoup aussi, même si je pense qu'ils en font un peu trop maintenant malheureusement. Et voilà, et après il y a des paires que j'adore, tu vois, les Fear of God 1, j'adore. C'est un vrai plaisir, tu vois, mais même des paires toutes simples comme celle-là par exemple. Voilà, voyons celle-là, là, je les porte tout le temps, les Air Max Delight, voilà. J'adore cette paire. C'est des paires toutes simples. Et voilà. Mais elles sont trop stylées aux pieds. Elles sont trop stylées. Je les porte tout le temps. J'ai vu une Human Race aujourd'hui, là, toute black, là, qui va sortir. Et ça me fait plaisir. Parce que Human Race, c'était quand même un peu parti en live. Les NMD Human Race de Pharrell Williams, précise. C'est un peu parti en live, tu vois, avec certains modèles, des trucs bizarres. Mais là, il y a une black, toute black, full black, avec une semelle gum que j'ai vue en photo, là, Spaces ou je sais plus quoi. Elle est belle, celle-là. Je vais me laisser tenter. Et donc, des Human Race, c'est vrai que... quelques-unes, ah voilà la Human Race NMD, voilà, ça c'était le premier pack, il y avait 4 couleurs, je dis le premier pack parce qu'il y avait une yellow qui était sortie en premier, et après il y a eu un pack de 4, bleu, vert, rouge et jaune, et donc moi il y avait 2 que je préférais dans ce pack là, c'était la Green et la Scarlet, voilà, celle-là c'est la Scarlet, ça c'est une des mes paires préférées aussi de ma collection, j'adore cette paire. Et j'ai pas la green, j'aimerais bien l'avoir. Une autre que j'aime bien, que j'ai jamais portée, parce que je sais pas quand la porter, tout simplement. Elle est assez discrète, les gens ils y pensent pas beaucoup, ils l'ont un peu oublié. Mais elle est sympa. Voilà, c'est celle-là. J'ai plus le nom dans la tête. Ça doit être Sail ou Sab ou un truc comme ça. Donc voilà, celle-là, elle est super belle, genre. Là, c'est des belles NMD Human Race. Alors, vous êtes d'accord ou vous êtes pas d'accord? Elles sont cool celles-là. Donc voilà, celles-là, je ne les ai pas portées encore. Je vais les porter. Parce que, voilà quoi. Elles sont... C'est une tuerie, tu vois. Avec écrit en indien ici, Human World, je ne me rappelle plus. Enfin, je regarde l'émission pour me remémorer un peu tout le sens de cette paire. Mais je me rappelle en tout cas qu'elle est magnifique. Et je ne l'ai pas oublié. Collab Soconi premier, Soconi à Few Store. Soconi and Closing, tu vois, des petites collabs avec les magasins, j'aime beaucoup ça. Là, j'ai pas mal de Ultra Boost, hein. Ça, c'est une paire, voilà, pour moi, niveau confort. Les Ultra Boost, c'est un vrai kiff. C'est un vrai, vrai kiff, les Ultra Boost. Ça, c'est ma seule paire de TN. Voilà, c'est Footlocker qui me l'a envoyé. Je suis pas TN, moi, à la base, mais il me fallait quand même une paire de TN, tu vois, pour dire... Parce que la TN, c'est une paire qui a marqué sa génération, qu'on aime ou pas la paire. Et j'aime bien avoir... une part d'histoire. Donc j'ai dit, ils m'ont proposé de m'envoyer cette paire. Donc ça c'est la Tiger, la TN Tiger. Voilà. Ils m'ont proposé de me l'envoyer et j'ai accepté parce qu'en fait, je trouve que c'est important d'avoir à chaque fois une petite part d'histoire comme ça dans une collection, tu vois. Et je l'aime bien, tu vois. J'ai appris à l'aimer et voilà quoi. C'est un kiff et je la porterai aussi. Pas tout de suite parce qu'il y a trop de monde qui l'a pour l'instant. Plus tard. Je vais vous parler du Mel parce que c'est une marque
C'est une marque danoise. Et ils font du vrai taf, tu vois. C'est pas, ils cherchent des trucs, ils essayent pas, ils font des très bonnes choses niveau sap et niveau chaussures. Donc voilà, ils ont une paire que j'aime beaucoup, c'est la Maratona. Et ils ont fait une collaboration avec AFU Store, que je vous ai fait un MG sneaker dessus. Et je garde les factures à chaque fois, faut toujours garder les factures, les gars. Donc voilà, celle-là, sur le thème de l'enfance, voilà, la paire s'appelle Stay Foolish, je crois. Restez jeune, gardez votre esprit d'enfant, etc. Donc voilà, il y a tout un système des lettrages que vous pouvez changer au bout de la paire. C'est créatif, tu vois, c'est créatif comme paire. Des petites paires toutes simples, mais voilà, qui font le truc. Donc j'ai quelques paires d'Hummel, j'en ai pas beaucoup. Hummel, moi j'aime bien la sap, tu vois, j'aime bien la sap, Hummel surtout. Mais ils font des collabs, ça c'est avec Anon aussi. Anon, les Écossais. Petite paire qui est passée complètement inaperçue, qui ont fait sur le thème du football. Tu vois, c'est des petites paires pour l'été, tu mets ça, c'est tout simple, c'est tout. Tout truc, mais voilà quoi, c'est cool, tu vois. Des paires toutes simples, estampillées, Anon, Hummel. Parce que ce qui est important, ce que j'essaye de sans prétention, attention, ce que j'essaye de transmettre, c'est que il faut apprendre à aimer les choses, apprendre à voir le travail qui a été fait sur une paire. C'est super important. Il y a plein de trucs que je vous ai pas montré. Je vois du Bape là, c'est la 4D. La 4D Alpha Edge, je vous avais fait un MG Sneakers il y a pas mal de temps sur la première version qui est magnifique. Kamanda. La Kamanda qui a été dessinée par un français. John Kaiser Knight sur Instagram, quelque chose comme ça, j'ai oublié son nom. Voilà, un design de ouf sur la semelle. Elle n'a pas spécialement fonctionné malheureusement. Ça c'est Kamanda en plus avec Neighborhood, c'est une collab. Celle-là je l'adore, je la mets beaucoup. Alexander Wang, une paire de Run Clean Alexander Wang. Celle-là, je la mets énormément parce que c'est la chaussure du ninja, mon frère. T'es tellement bien dedans. Elle est stylée. Il n'y a rien qui dépasse. C'est design. Ça, c'est Jules. Errolson Huge. Ah non, c'est pas la première. Avec Errolson, celle-là, je l'adore aussi. Tu vois, autant la Run Clean Alexander Wang, c'est la chaussure du ninja de chez Adidas. Et ben là, c'est la chaussure du ninja de chez Nike. Tu vois, une base de Presto. Voilà, et Prestomide, acronyme, le chausson de samouraï, ça c'est une tuerie cette paire. Et voilà, et Rolson Huge, il a beaucoup de talent, c'est un grand designer au niveau des vêtements. Le gars ne rigole pas, il fait pas semblant. Les ateliers acronymes à Berlin ou à Munich ou je sais plus dans quelle ville, ça rigole pas. Voilà, c'est un vrai, ils font du vrai travail, de la vraie couture. Et au moins, les vêtements sont chers, mais au moins tu sais pourquoi, voilà. Et donc, bah, il a fait quelques collaborations avec Nike. Et celle-là, bah, je l'adore. Et il a fait aussi les collections ACG au Condition Gear de Nike, qui sont magnifiques. Maintenant, il a arrêté, malheureusement. Je pense que je vous ai montré à peu près tout ce que je voulais vous montrer. J'ai eu beaucoup d'autres paires. Hein, mais là, je vous ai montré vraiment ce qu'il y a de mieux, je pense, dans ma collection. Même si j'ai peur d'en avoir oublié. Pas mal de collabs que je ne vous ai pas montré, etc. Mais bien sûr, bah, ceux qui connaissent la chaîne, bah, vous pouvez regarder les OMG sneakers que j'ai fait. Les OMG sneakers, c'est des reviews. Et si vous voulez voir aussi plus de paires, même moins avec tout ça, allez voir la première vidéo de la collection et la partie 2. C'est sur la chaîne. Par contre, les deux premières, elles étaient ratées, tu vois. La première, bon, c'était... Je commençais il n'y a pas très longtemps sur YouTube, donc peut-être au niveau de la qualité, au niveau de la manière de parler, je sais pas les bonnes choses. Et la deuxième, on a eu un problème de son. Donc j'espère que cette troisième sera quand même correct. Voilà. Ben, je vous remercie. Hein. Suivez-moi. Donc voilà. Et maintenant, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que maintenant, il faut que je range tout. Et ça, c'est aussi un autre travail en plus. Et juste pour ça, tu devrais me soutenir, mon frérot, et tu devrais mettre un like. Voilà. Moi, je suis pas hypocrite, les gars. Hein. Les likes, c'est pour envoyer la ce fort, c'est pour que les vidéos soient mieux référencées. Voilà. Et les commentaires, c'est pareil. Mais en même temps, ça me fait plaisir. Et ceux qui sont vraiment abonnés à ma chaîne, qui me connaissent vraiment, ils savent que je lis tous les commentaires. En tout cas, dans les premiers jours, je lis tous les commentaires. Et j'en like beaucoup. Hein. Il y a souvent un petit pouce comme ça sur les commentaires, c'est moi. Je like beaucoup les commentaires. Et je mets souvent des cœurs aussi. Parce que je les lis quasiment tous. Donc quand je vous dis, donnez-moi votre avis dans les commentaires, allez-y. Ils seront lus. Tu vois, c'est pas du vent, quoi. Et bien sûr, sans être hypocrite, c'est aussi pour envoyer la force, pour mieux référencer les vidéos. Je suis pas dans le calcul, si tu veux. Moi, je suis dans l'honnêteté et dans la sincérité, la famille. Voilà, j'ai peur d'avoir oublié de vous montrer des trucs. Je suis à peu près entre 200 et 250 paires. À savoir aussi qu'il y en a pas mal que j'ai donné, parce que des fois, j'en ai en double.
Donc j'en donne. Et voilà, des fois, bah, j'en donne simplement, tu vois. Pas tout le temps, parce que je collectionne, bien sûr. Mais j'en donne. Donc il y a des paires, voilà. Si je m'amusais vraiment à gratter, j'aurais une collection immense, tu vois. Mais c'est pas mon truc. Ah, mon truc, c'est d'avoir des paires qui me parlent. C'est de travailler avec des gens avec lesquels j'ai du feeling. C'est de travailler avec les marques avec lesquelles j'ai du feeling. De voyager, de faire les trucs honnêtement, de vous montrer. C'est pour ça que j'aime bien les vlogs sauvages, parce que ça me permet de vous montrer la réalité, si tu veux, de la communication des marques et tout ça. Mais d'une manière, voilà, en fait, c'est vous, quand je fais les vlogs sauvages, c'est vous qui jugez le truc, tu vois le truc. J'aime bien travailler comme ça, dans le bon sens du truc. Je vous remercie. Et je vous dis à mercredi soir, OMG Sneakers numéro 118. Abonnez-vous, suivez-moi sur Instagram, car beaucoup de choses se passent. Il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas sur la chaîne YouTube, que vous pouvez voir sur Instagram. Donc allez me follow sur Instagram, ça fait toujours plaisir, très important. Je crois qu'à partir de demain, il y aura un code promo très intéressant sur Footshop. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram, parce que c'est là que je vais lancer le code promo en premier, qu'à mercredi soir, MG Sneakers numéro 118. Vous êtes au max, portez-vous bien. Born sinner, born to go get it. Just me and my brother and a few guns with us. A couple Glocks, ARs, some cop killers. They don't love you, they love what you got. Somebody take a L, somebody getting shot. Revenge is sweet, so much can happen on one street. Everybody trying to eat, my word I'ma keep. It's time to get about your seat. No more waiting in line, no more chasing. If I wanted it's mine, we gotta show them the basics. And take it back to the streets. The streets will turn a boy to a man and leave you where you stand. And take it back to the streets. For money, power, respect, you get wrecked. And take it back to the streets.